Yo les gens, bienvenue sur le premier Let's Play sur un jeu d'horreur. Ceux qui aiment Scream aimeront ce jeu. Et dans ce jeu, il y aura des impacts sur l'histoire à chaque fois, un effet papillon. Allez, c'est parti pour le premier épisode. Vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur ma... Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Merde, Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... tu sais, s'ploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais.
Joseph Soho. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna! Josh! Merde. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Mais t'es où? Anna! Je suis trop stupide. Anna, Bess. Anna. No! No!
Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Et on va être franc, on va jouer le jeu. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise? Si c'est une chose que vous ne pouvez voir, comment alors pouvez-vous la craindre? Dites-moi, y a-t-il quelque chose dans la maison? Et cette chose dans la maison, est-ce vivant? Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur vos peurs. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez sérieusement à ce qu'il y a dans la maison. Et pourquoi cela vous met mal à l'aise? Il nous faut le trouver ensemble. What is this that I can't see without?
C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. F local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ah ok, ouais, on l'a refait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais... Je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti! Pas grave.
Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? Oh, merde. Hé, n'aie pas peur. C'est bien. Allez. T'es chou. Est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même! Eh ben, regardez-moi ça! Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Chris? Sam! T'as pu venir? Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Sympa! Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. Tada! Ça le fait, non? Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça?
Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux essayer ? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Tes cibles n'iront nulle part, t'en es bien conscient. Alors, tu te concentres un peu plus et tu te vantes un peu moins, hein? Joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Joli tir. Et regarde-moi ça. Hé, oh. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hé, hey, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. C'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en deux secondes. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermée pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça ? Quels gens ? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi. Oh, un vrai gentleman. Oh, je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre ? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Hein ?
Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y! Viens, l'aventure commence! Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Bah, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. Tiens, tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Oh, c'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé hey. Eh bien, qu'avons-nous Chris là? Chris. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Rends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire... peu importe. On verra. Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais.
Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec! Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec! J'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter, maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre, on y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Ouais, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah! Oh putain! Bordel! Oh hey, désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te bon faire peur. Bon sang, Matt. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parie que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne, alors non, non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. Faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais
Qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... Hé hey Oh super. Tu vas payer. Où est-ce que tu caches, ma petite poulette? Oh, Hé hey. Il y a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, chacun! Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Jess. Et puis quoi? Ça suffit! Oh non, ça suffit pas! Tu vas finir par terre. Je t'ai eu! C'est fini! Bien fini! Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok. Ça sonnait un peu sale, là. Madame. Waouh ! Garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais. C'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, hein? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre. Et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Thank you.
d'excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les cafards, les clones, les aiguilles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah, je regrette, la session touche à sa fin, mais... je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Vous n'avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Non! Merde! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous. De partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Montagne grandit à chaque fois que j'y gratte. Ah ouais? Bah ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Hey, salut! Comment ça s'est passé? Un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... on peut tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange, quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Salut H. Salut Chris. Tu vas bien? Oui, sauf que j'ai un peu froid et que cet endroit me donne la chair de poule. C'est bizarre d'être de retour ici, hein? Ouais.